Eh bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rover Mechanic Simulator une fois de plus. Décidément, les commandes ne s'arrêtent jamais. J'ai l'impression aussi, je sais qu'il y a une limite au niveau des commandes. Alors, on va faire celui-là, 8 minutes, ça va être extrêmement rapide. Bonjour, apparemment Persévérance semblait en bon état, j'ai donc voulu prolonger sa mission. Malheureusement, après quelques jours, il a complètement arrêté d'enregistrer les sons. Le temps presse, je paierai donc un supplément pour une réparation rapide, merci. Alors je pense au microphone qu'il y a sur le côté. Je pense au microphone qu'il y a sur le côté, on verra bien. Allez, c'est parti. Hop, hop. Et merde. Relancer la commande, non. Zut. Ah, décidément. Bon, une minute d'enregistrement. On va voir si j'aurais pu réussir. Ah, je suis dégoûté. Décidément. Petit micro. Voir s'il y a de la poussière sur à quelque part. Ici, par exemple. Là. Censé être quelque chose quand même d'assez rapide. Ah, il y a aussi le bras ici. Pas d'autres poussières, non, je pense pas. Alors, ils mettent un état déplorable, hein, mais c'est fou, il y a juste une petite pièce à la con. Ok. Pas de problème, non. Allez. On y va, on va déjà nettoyer. On a l'air en bon état, on va quand même vérifier ça. Bon, donc microphone déjà. Microphone du mât. Possible, possible. Alors, dis-moi tout. Pas de rouge. C'est ça. Bloc. Le microphone. Okay. Donc ça c'est le microphone du mât. Hein. Le microphone du mât. Cache les deux. Microphone, microphone.
Tout le reste m'a l'air bon. Monter. Et c'est bon. Alors. Notre petit microphone là-bas. Je pense que ça devrait être tout. Yes. Et à 7 minutes d'enregistrement, on a commencé à partir d'une minute. On aurait réussi, je dirais pas de justesse non plus, mais on... Ni large, hein, entre nous, ni large. Mais on a réussi, on a réussi. Alors, celle-là, on la garde pour la fin, les 48 000 donc, de ressources. On va commencer par celle-là. Bonjour, comment allez-vous? Nous avons encore une autre tâche pour vous. Ce petit rover, ce pauvre rover, n'a pas été pris en charge depuis très longtemps. Et comme vous le verrez, il est également assez poussiéreux. Alors merci de l'inspecter soigneusement et de le nettoyer. Ça mériterait vraiment un jour de congé, non? Oh, il a également un problème avec le déplacement de son bras supérieur. Peut-être un rapport avec les moteurs. Continuez de faire du bon boulot. Vous aurez bientôt... de nos nouvelles. Ça va être loup. On n'a plus rien. Elle. Allez. Faire ça tranquille. Alors, ça a l'air d'aller. Là. Pierre. Alors ici, la caméra là. La caméra aussi. Là, elle m'a l'air cousillée. Hein.
Dessus. Verrai en dessous une fois que je suis sûr que j'ai fait là pour nettoyer et réparer les deux, je crois. Aussi cache filtre, d'accord. Cache filtre d'entrée et filtre d'entrée. Et on a caméra lockdown. Pourquoi lockdown? Mais hors sujet quoi. Caméra don't look. Capuchon, actuateur. Moteur RE20. Pas le moteur. Que je le marque en majuscule, c'est ça? Non, c'est pas une pièce. Je peux le démonter. Je peux le démonter, c'est pour ça. Le moteur, je peux le démonter. C'est les briques OCM. Moteur, je peux le démonter. Apparemment, c'est le rotor. Peut y avoir les côté aussi. Hein. Or, pas celui du. Ok. Alors, il me faut charbon rotor et rotor. Là, vu son état, à mon avis, elle est morte. Ils disent qu'il faut la nettoyer, mais on voit bien qu'elle est là. Alors, c'est Elcam. Ça c'est hier. Alors, ah, c'est réparé.
Alors. Ça. Sans déconner, j'aurais fait quoi moi? C'est pas sérieux? Fait. T'es persuadé d'avoir cliqué dessus? Deviens fou. Que j'ai fait sans faire exprès, je l'ai broyé. Oh, ça m'étonnerait puisque je l'ai broyé avant de récupérer les objets. Pas plus grave que ça, hein. Pas simplement m'interner. Et cache. Monter. Monter. Est-ce que c'est bon? Oui, ça, c'est bon. Alors, je m'attendais à pire que ça, en fait. M'attendais à bien pire que ça. Et donc cette grosse commande. Et c'est vraiment la dernière chose que vous aurez à faire pour ce rover. D'accord. Donc c'est la dernière mission pour Persévérance, apparemment. Je vous le promets. Il rentre bientôt chez lui. Nous devons donc le remettre dans son état d'origine. Concentrez-vous sur les lentilles des caméras, les capteurs et les suspensions. Encore les suspensions. Pensez également à jeter un œil du côté de l'électronique. Vous avez le temps, merci beaucoup. Vous avez tellement fait pour ce rover. C'est parti. Donc théoriquement, c'est la dernière commande, hein. Là, on n'a plus rien. C'est parti. Théoriquement, dernière commande. Donc, dernier épisode. Alors vas-y, fais voir l'état. Un pire, hein. Ah. Et là. Là. L'air d'aller. J'ai vu qu'il y avait cette suspension. Les suspensions, on les fait vraiment à la fin. Donc on a tout vérifié. Oh la vache.
Sherlock. J'en ai un de Sherlock. Peut-être moyen de récupérer quelques pièces? Bon, je vais... celui-là. Sur circuit ici. Je crois qu'il y a l'antenne aussi qui est bousillée. Poussière. Les suspensions ici, tout m'a l'air bien. On a entretoise ici. On va regarder aussi en dessous. Ça, on va dégager ça, comme ça on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur les deux compartiments à côté du moteur. En même temps, on va vérifier tout ce qui est électronique en dessous. Où il y a du bordel. Alors sur les côtés là ça va, cela donc il y a ça ici. Alors, voyage. Bon. Bon. Et là, ça m'a l'air bon. Question. J'ai bien nettoyé trois trucs.
Alors, on a quand même pas mal. Alors ça, non. On a l'Ascam avant. Alors j'ai le Sherlock, mais si je peux récupérer des pièces ici, à faire, ça pourrait le faire. Déjà imprimer les pièces, pas réparer. Ça, c'est le Sherlock, c'est pas le mien. Rimfax. Rimfax, ça faut que je répare. Capteur station APA. C et D. CD, capteur de contact de foreuse. Ça. L'antenne Ingenuity. L'entretoureuse roue avant. RMCA et RIPA. Là. RIPA. Alors, ça, 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 Potoise, de là. Débarrasser un peu de ce que j'ai déjà. Pause. Heure. Qu'il n'y ait pas des trucs trop chiants. J'ai pas tout dans les mains là. Alors première chose qu'on fait si j'ai pas tout, c'est le filtre. La caisse du filtre avait l'air bonne, vous savez, sur le côté. Mais le filtre, on ne sait pas s'il est poussiéreux ou pas. Vraiment, si pour l'instant on n'arrive pas à tout réparer, première chose à faire, c'est vérifier ce filtre. Après, on avisera. Et on aura libéré assez de place, on va pouvoir continuer réparation pièce.
entrepôt. Oui, il y a ça. Il y a ça. Ouais. Hop. Non, c'est que je peux peut-être les réparer, non? Attends, je les ai récupérés, je suis pas fou. J'ai même supprimé ce que... RMCA et RIPA. Pourquoi il me dit non? Ah. MCA. Est-ce que je l'ai pas? Pas le même alors? CA? Pas planté quand même. RMCA. Alors, il est pas. Il n'y en a pas plusieurs. RCA. Ah putain, il y en a deux. Saloperie de moi. Ah, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est ma faute. Là, c'est mieux, là. Cache. Être comme neuf, hein. Donc on a le mât, Ascam arrière, le Sherlock et Ascam avant. Alors, Ascam arrière. La caméra a l'air bonne, c'est le dessus alors? A l'air bien. Protection Ascam arrière. Rabattable. Va juste changer ça, on va voir. Le reste avait l'air bon, hein. C'est bon. Est-ce qu'à m'avant? On n'a que un qui...
Alors, caméra frontale à scam. Va faire donc le ma le ma. Cam. Afcam. Potier. Bonne salaire. C'est bon, c'est le gros bloc qu'il faut changer. Ça de l'inventaire. Ah, comme ça. Non, pas les stats. Donc, il nous faut capteur d'air, les deux capteurs d'air. D'air, ça il faut que je le démonte. La navcam, est-ce que je peux la démonter la navcam? Je sais plus. Supercam, protection supercam. Net mascam. Et Supercam. Navcam,
Je crois pas que je puisse le démonter. Prépare le mât et ensuite on va voir donc pour le Sherlock. Dernier est rapide. C'est cette partie qui merde. Il y a autre chose en fait. Alors vu d'ici, non. Problème de... On peut peut-être le voir au niveau du circuit. A l'air bien. Le circuit m'a l'air bien. Après, je sais que derrière le circuit, il y a encore autre chose. Alors, on va voir un petit peu. Actuateur de dispositif de mise au point. Je vais changer juste ça, on va voir. Envie de tout démonter pour rien. J'ai mis enfin on a enlevé pas beaucoup de choses à faire. On va voir. Yes, c'est bon. Allez. Section. On va vérifier. C'est bon ou pas? Yes. C'est le Sherlock. Du coup, on a que le Sherlock. Et jeter la broyer plutôt. Donc, le Sherlock, est-ce qu'il va pas?
bien, il n'y a que ça qui me... Il peut y avoir autre chose encore à l'intérieur, je crois, mais... Et tout est nickel en fait. C'est une pièce qu'on démonte tout de suite. Whetstone, objectif Whetstone. Ah, on va le mettre. On va voir si ça suffit. Si ça suffit pas, on démonte. Ça commence à être un petit peu long. Pas suffisant. Donc ça se passe à l'intérieur. J'enlève ça. Boîtier. Les vis. Ah. Si. Alors. Pan optique et Sherlock Kaim 2020. Pan optique. Sherlock Kaim 2020. Et pas dans l'autre sens.
Bloc. Ah, elle était dans le vide. Et bon, le Sherlock est fait. Alors, montez, faites que ça soit bon. Oh, c'est pas bon. On avait dit quoi en dessous? Non, en dessous, je l'ai fait. Ah, le filtre, le filtre. On avait dit que ça serait bien de voir le filtre. Qui... Ça merdait un petit peu. Il est dégueulasse. Va vérifier la qualité. Bon. J'ai juste un petit coup de soufflette. Alors. Pas vrai ça. Qu'est-ce qui merde encore? Qui sabote mon travail? Levez la main. Je dénonce. Ah. Saboteur. Pendant que je suis en train de réparer les pièces, il y en a un qui est en train de me défoncer le certain circuit. Et on valide. Et voilà, toutes nos félicitations. Vous avez terminé toutes les missions actuellement disponible. Vous pouvez consulter vos statistiques du jeu via l'onglet Stats de votre tablette. N'oubliez pas de consulter régulièrement nos devlogs car de nouveaux contenus arrivent à plus tard, mécano. Yes! Bon ben voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de Rover Mechanic Simulator. En tout cas, pour l'instant, s'il y a des DLC, pourquoi pas les faire? On verra. En tout cas, je dirais pas fan. Je me suis quand même bien amusé. Il y a des trucs assez cool à faire. C'est quand même assez répétitif à certains moments. Il y a des pannes qu'on n'arrive pas à trouver. Donc il y a un petit peu de recherche. C'est plutôt assez cool. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu. Peut-être il y en aura des épisodes de nouveau s'il y a des DLC. Sur ce, ne. C'est, je perds mes mots, je perds mes mots. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait.
Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle aventure.